Zero Shalbonye, Upande Miti, Alili Anini, Tonga Makala, Tonga Mbele, Tonga Mbele, Sisi Washalbonye, Washalbonye, Washalbonye. Nous sommes de garde-parc. Nous sommes là pour protéger notre parc et le patrimoine mondial. Ce parc national de Virunga a été créé en 1925 et a été proclamé aussi patrimoine mondial en 1979. Et il a été encore proclamé patrimoine mondial en péril en 1996. C'est pourquoi nous fournissons beaucoup d'efforts pour la protection de ce patrimoine. Parce que ce n'est pas un patrimoine national seulement, c'est mondial, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi nous devons le protéger. IFDC, au fait, c'est un centre international de fertilité des sols et de développement agricole. Alors, IFDC a un projet dans la région du Grand Lac sur la production d'énergie durable et renouvelable par le reboisement et l'agroforesterie avec les secteurs privés. Le projet, au fait, c'est dans les trois pays, Rwanda, Burundi, Congo. Et dans le Congo, nous sommes dans le Sud Kivu et le Nord Kivu. Et dans le Nord Kivu, nous travaillons dans le Petit Nord et dans le Grand Nord. Et dans le Petit Nord et le Grand Nord, on travaille aux environs du parc, c'est-à-dire on travaille avec la population qui entoure les parcs. Vous allez remarquer qu'il y a une forte densité de la population. Alors cette forte densité de la population implique que les gens disposent maintenant de petites parcelles et ces petites parcelles ne leur permettent pas d'avoir de très bons revenus. Les gens sont obligés de se rabattre dans le parc pour faire d'autres activités de carbonisation. Maisha tikaendelea kwa kidogo, jua hakuna shamba ya kulima, nikarudia tena kukata hii makara. Basi njoo nilikuwa nakata, wanatukimbia huko somewhere ndafikisha kidogo bia vileme na makara yenyewe tuko nafikisha nayo haiko bei inakosa bei. Nakutana bei ni ya kidogo sana. Nilikuwa naenda mpori kukata makara. Sasa nilikuwa nakata, mimi natosha makara na kwa machenga sana. Makara ilikuwa inanifurahisha. Na siku moja nikaingia mpori nikatia makara musaki
sani cyaku mugongo nikakimbia nikaona bagarde banakuya nikakimbia nikaangusha chini sani angushaka kukimbia nikavunjika mugulu sani vunjikaka nikatoka mpori na nimepata shanjimani kasema sitaongeza rudia mpori omwe nitafute maisha mupya. Dans la professionnalisation du secteur bois d'énergie, là nous essayons d'organiser des formations pour ces populations qui sont autour du parc. Alors ces formations, il s'agit des formations sur les techniques modernes de carbonisation. Et là, nous procédons par mettre un groupe de gens où il y a des hommes et des femmes. Pendant 12 jours, on les réunit à un endroit et là on donne vraiment une formation pratique, learning by doing, sur les techniques modernes de carbonisation. Kusema kuhakikisha kama ule mtu alipata masomo yake mwanzo paka mwisho lazima apate ile certificate ile tunampatia. Sawa? Ndio. Na mnajua kwanza kama hii mafundisho tulifanya en collaboration na WWF na IFDC banaweka pamoja juu ya kusema bamempatia ile technique. Sawa? Ndio. Alors sasa hapa kwa mwisho tunasema asante sana. Asante sana kaka Eme. Ni kusema tunafikia kabisa ukomo ya ile ambayo tunaita mafunzo kwa technique moderne ya carbonisation. Na Giza amesema tumefanya hapa kama juma mbili. Siku 16 ama 15 tumejifunza vitu mingi. Katabarudisha ile ambayo wanaita cheti. Ni karatasi bure. Karatasi na maandiko. Ya lazima ni ile ambayo tumejifunza. Ya lazima zaidi ni ile ambayo tutenda tendesha. Na ya muhimu ni ile ambayo itatuletea kama matunda katika maisha yetu. Hiyo karatasi wakati tutakuwa naangalia, kumbuka ile ambayo umejifunza katika siku 16. Wakati utangalia hiyo karatasi, sibanaandika certificat de participation. Ni kusema ina imaanisha kama umeparticipe kuyo mafunzo kama formation technique de carbonisation moderne. Certificat ya ile ambayo unizaita réussite de pratique ni ile ambayo utapata kwenye kiwanda. Ni ile ambayo utapata wakati unafanya carbonisation moderne. Barategetse Joseph présent. Daichi. Daichi. Muindo Bulenda. Félicitations. OK, ouais. Kazi njema. Charbonne son gambele, charbonne charbonne, charbonne son gambele, charbonne charbonne, charbonne son gambele, Dans notre projet SIU, nous avons l'objectif de former 500 charbonniers. Mais ces 500 charbonniers, nous ne pouvons pas les former nous-mêmes. C'est ainsi que nous avons d'abord commencé par définir notre politique de formation. Et cette politique de formation, c'est le pia to pia, des égaux aux égaux. C'est-à-dire que le transfert de la technologie doit se faire par les charbonniers. Dans cette population qui est autour du parc, on choisit différents charbonniers qui peuvent être à mesure de dupliquer cette formation auprès de leurs collègues charbonniers. Ainsi, on commence par les candidats maîtres. Une fois que le candidat maître fait deux formations assistées par un maître charbonnier, et là, il devient aussi maître charbonnier. Tiens, voilà Tito dont je vous parlais. C'est Tito Mpuruta, le maître charbonnier qui était formé par IFDC. Comment ça va, Tito? Ça va très bien. Ça va très bien. Ok, ok. Ouais.
Je te vois en train de former des femmes ici, c'est quoi? Oui, oui, ce sont les femmes que j'étais en train de former. Ah bon? Oui, oui, nous sommes toujours en pleine formation. C'est vrai? Oui, oui. Comment formation, il est quoi bien? Il commence. Mon laissez-y à Rabissa. Dio, ça va. Ah, c'est bien, alors félicitations. Okay. Merci beaucoup. Ah. On doit débrancher et couper à ras de l'arbre. Cela pour éviter à ce que, quand on va faire l'empilage, qu'il ne puisse pas y avoir des poches entre les arbres. Le bois doit être coupé aux mêmes dimensions. 2 mètres et demi. Puisqu'on peut avoir du bois de 2 mètres, comme on peut couper aussi les bois, même de 2 mètres 50 ou 3 mètres. Sur l'arbre, on doit repérer. Même des branchettes, même des brindilles, tout doit être calciné. Une fois le bois coupé, il faut encore le sécher pendant une période de 2 mois. Et cela en fonction de la saison chasse ou de la saison pluvieuse. Il faut nécessairement que la parcelle soit très plate, très plate. Alors, pour éviter à ce que l'air ne puisse pas mal circuler dans notre four. Après ça, on met les longéraux sur lesquels on va déposer le temps de bois qui doit être carbonisé. 6 mètres. Ces dimensions nous permettent de connaître exactement quelle est plus ou moins d'une manière approximative la quantité d'arbres que nous avons, que nous allons travailler avec. On doit mettre d'abord les longéraux. Il faut que les bois soient coupés aux mêmes dimensions. Les petits morceaux que les femmes coupent, nous devons les mettre entre les poches des arbres afin d'éviter qu'il y ait un espace vide. Toutes les poches d'air qui sont à l'intérieur doivent être sérieusement bouchées afin de permettre à ce que la chaleur, le feu ne puisse pas traverser facilement notre empilage. Quand on empile, on commence par les petits arbres
et au milieu, on met les moyens. C'est là pourquoi il faut que lors de l'allumage, on commence par les petits arbres qui puissent prendre l'effet vite. Les gros arbres se retrouvent au milieu pour éviter à ce qu'on ne puisse pas avoir des incouilles après. Les branchettes qu'on met au-dessus des arbres servent puisque chez nous, nous ne pouvons rien perdre. Si nous le mettons en dessous, ça ne peut pas faire du charbon de bois. Nous les mettons au-dessus puisque le feu atteint cet endroit tardivement. Et chez nous, ça doit nécessairement devenir du charbon de bois. Et ces branchages servent à empêcher que quand je vais mettre la terre au-dessus, que la terre ne puisse pas se mélanger avec le bois qui est en dessous. Après avoir empilé, nous avons mis des piquets qui prennent toute la longueur et la largeur du four. Ces piquets vont permettre la circulation de la fumée à l'intérieur du four. Mama kamata. On est sur les mains pour Il faut les placer obliquement comme des tuiles afin de permettre à ce qu'il y ait un passage libre. Et c'est ça que j'appelle ma couloir. Il va faire circuler l'air chaud dans le tas de bois pour une bonne carbonisation. Cette cheminée va servir à récupérer tout l'air qui circule dans le tas et dans les couloirs et en dessous du four. Alors, ce système doit essayer de tourner jusqu'à ce que ça tourne sous forme d'autorégulation. Et vers la fin, la cheminée récupère toute la circulation qui s'est faite à travers le four. Voilà. Et à part la cheminée, je dois aussi mettre mes évents que vous voyez ici. Mes évents servent à faire entrer l'air dans les fours. Comme quand l'air rentre dans les fours, la fumée qui est déjà chaude est chassée vers l'intérieur. Et quand c'est chassé, ça doit nécessairement passer par la cheminée. Quand je dépose la terre au-dessus là-bas, il me faut un deuxième enclos où je mets des branchages afin que la terre ne puisse pas sortir de l'autre côté. Il est en train de faire un trou qui va servir comme front d'allumage.
Et puis les trous ne doivent pas être profonds. Dans les trous, on va mettre des braises et du bois sec. Et puis après, on allume. Ici, c'était ici hier où était le feu d'allumage. Hein? Alors hier, quand nous avons allumé le four, on devait atteindre à ce que le feu puisse atteindre son paroxysme. Donc, à un moment donné, nous constatons que réellement le feu a déjà pris. C'est le moment. À ce moment-là, nous devons carrément fermer ici et y mettre aussi de la terre en fait de préserver la chaleur à l'intérieur. Au même moment, quand on ferme ici, là, les évents que vous avez vus doivent être ouverts afin de permettre que l'air entre, afin que le feu ne puisse pas s'éteindre. Maïcha Yangui Shabadirika, Angalia Vire Minava, la Misha Kunipa Teni, Bouchomere Bouna Kwisha, en tout cas, on est bien sale, bien sale. Nilikuwa na kashamba kadogo na kaparsele ambako hakanitoshe. Aloro kwa muda sana ninaona hakanitoshe, nikakuwa naenda kuparke kukata miti nikonge makala. Nayo haikufaulu. Lakini leo tangia wananifundisha hii kazi ya kutumika makala, ninaanza kuwa mzuri sababu ya kuwa sikimbiwe tena na watu. Nitapata ginzi ya kuishi na kukula. Nilikuwa naingia mparke kutsudi nitafute kafuru kadogo kadusaidia tupate ginzi ya kuishi. Na tulafanya harakaraka kusudi bagardi basi dukutane mule basi dufungi. Tulikuwa tumakala tudogo sababu ya kutuiba mtu apate chakukulia. Sawa kabase au bubitu kidogo tu njoo ile tulikuwa tunauzisha kubei chini pale karibu. Yuko si mjomo shako? Ndiyo. Kweli unabadilika kabisa. Vraiment. Unakona kote ya mzuri. Naonekana papa. Niko bien. Ni sana. Ndiyo. Mimi kabisa maisha yako yanabadilika. Leo ni inakuwa mzuri sana. La méthode de remplacement de la cheminée métallique par des gens qui n'ont pas la possibilité de se le procurer consiste à avoir à créer des trous au-dessus, derrière et qui vont jouer le comme vous voyez ici. Ça joue le rôle de cheminée. Nous avons des trous ici, quatre trous que nous avons installés ici. Ici, la fumée sort comme vous le voyez. De l'autre côté, vous avez vu les évents métalliques. Pour essayer de suppléer à ça, nous avons créé ici des trous qui vont servir d'évents. C'est-à-dire, vous voyez que je suis en train d'élever les vents ici. Voilà. Les principaux éléments de cette technique moderne de carbonisation, nous pouvons les résumer vraiment en quatre grands points. Il s'agit donc du séchage du bois, l'empilage du four, la construction du four et le suivi du four. Oui, il y a des fuites. Alors il faut boucher que la fumée puisse avoir un seul passage. Oui, vous voyez qu'ici, en dessous de la cheminée, il y a un trou, ici en dessous que vous voyez, qui récupère toutes les matières volatiles, qui sont dans la fumée. Et c'est récupéré au départ sous forme d'eau. Mais quand nous allons arriver vers la fin de la carbonisation, donc c'est-à-dire toutes les matières volatiles sont déjà récupérées, ça sera maintenant sous forme de goudron. La terre ici, comme vous le voyez ici, nous étions ici, nous sommes déjà presque à 1 mètre. La partie ici, si on touche là-dedans, il y a déjà du charbon de bois. Alors plus ça avance, plus ça s'affaisse, plus le charbon de bois est déjà disponible.
Mais vers la fin, quand tout est terminé, c'est la fumée qui nous montre que nous sommes vers la fin de la carbonisation. Mais au début, c'est l'affaissement qui montre que nous avons un bel avancement. On enlève d'abord la cheminée, une fois la carbonisation terminée. Après ça, on laisse les fours se refroidir pendant au moins 48 heures. Avec cette technique moderne de carbonisation, ça donne vraiment des avantages. Ce qui veut dire que nous avons de très bons rendements. Avec moins de bois, vous avez beaucoup de charbon. Ça, c'est un avantage pour les charbonniers. Et le deuxième avantage, c'est que vous avez des charbons de très bonne qualité, des gros morceaux de charbon qui ont un pouvoir calorifique très élevé. Et quand ils sont utilisés dans le ménage, il y a très peu de cendres. Makala makala, charbonnier songa mbele. Makala makala, charbonnier songa mbele. 39 tu. Shimamisha mbele. C'est toujours ça, papa aimé. C'est toujours 39. Mmh. Encore quoi? Ça y est, il y a un pari qui est nyumba, il y a un pari qui est nyumba, il y a un pita siku qui est vie moya, deo, arinda bukavu, ku formation, ya bakata, makara. Ça y est, il y a vie, na mieni katafuti shure mutu ni mupate, ipate gisi na miana vezi miongoza juu na mieni kumutu, wa makara, mina zoea vitu vya makara. Ça te rwananaka, kaniandika kanipatia na siku sasa tutaenda fanya formation Kabaya. Basi ndio tunakuja sasa hapa Kabaya. Mimi nikakuwa mmoja tu mba wale watu wenye walifanya formation. Walikwambia kakuko mtu mwenye renda ukavu kufanya formation. Sasa tukaka kule tukasikia sasa iko Kibati na mimi nikajiandikisha nikaenda fanya formation Kibati kwa mtu mwenye tukaka ukavu. Nina binjire mushariboni hanze niyabi muza mwinjire tuchana makara hanze niyabi ngwina winjire mushariboni hanze niyabi mupande muti kwani muti njo yenye iko na mafaku pia tutanunua nguo tunue pantalo ya baba na tukule na tuvali na tusomesha watoto na watoto wavale juu ya makala. Kumbe tukue na juhudi ya kukata ile makala na kupanda ile muti kwani itatufalia mafaa. Mwanzo ya makala ni kupanda muti. Mwanzo ya makala ni kupanda muti. Nilipenda nikuulize mama, kwa nini utaenda tafuta miti tuipate ni wapi?
Oui, les femmes demandaient, elles disaient que pour avoir le charbon des bois, il faut d'abord commencer par planter l'arbre. Alors, une d'elles a posé à l'autre, où est-ce qu'elle pouvait trouver des plantules? Elle a répondu qu'il faut avoir l'adresse à Goma, chez VVVF, qui travaille avec les associations. Pour la composante agroforesterie et reboisement, nous avons à planter 6000 hectares dans le Congo, Nord Kivu, Sud Kivu. 3000 hectares au Sud Kivu, 3000 hectares au Nord Kivu. Mais pour le Sud Kivu, nous travaillons en partenariat avec VECO, mais tandis que pour le Nord Kivu, nous travaillons en partenariat avec WWF qui doit mettre en place 3000 hectares. Cette pépinière, c'est encadré par Ecomakala. L'espèce que nous préférons ici, c'est Cassia siamea. À d'autres mots, on l'appelle Sena siamea. Alors cette espèce, c'est ce qui est préféré à ces contrées. Parce que ici, lorsque nous plantons l'eucalyptus, c'est attaqué par les termites. Alors les populations, en voyant les difficultés qu'ils ont rencontré avec les eucalyptus, alors ils ont préféré ce Sena siamea. Ces gens, ils sont membres d'une association. Alors, ils réalisent ici une plantation. Nous passons par les associations locales et les associations locales identifient les planteurs privés. À ce stade, nous travaillons moins avec une vingtaine des associations au nord et plus de 1500 planteurs actuellement. Après, les associations signent des contrats avec les planteurs pour la réalisation du microboisement, pour les activités de plantation et l'entretien du microboisement. Ils associent ces haricots, donc les cultures vivrières, pour faciliter l'évolution rapide de ces arbres. La plantation commence d'ici, ça s'étend jusqu'à 3,5 km encore. Cette plantation vient d'atteindre l'âge d'une année et demie. Alors vous verrez, on continue à y mettre les cultures vivrières parce que les feuilles ne sont pas encore grandes, donc les feuilles ne peuvent pas étouffer les cultures vivrières. C'est pour cela que cette maman y met les arachides. Okay. Cette plantation a atteint l'âge de 2 ans. Il n'y a pas moyen d'associer encore les cultures dans ce champ parce qu'il y a trop de feuilles. Lors de la maturité, c'est les arbres les aideront pour la fabrication des makala. L'avantage de ces techniques modernes de carbonisation n'est pas seulement sur les rendements ou sur la qualité du charbon, mais aussi en regroupant ces groupes d'hommes et de femmes pendant 12 jours dans un lieu donné. Ça leur permet aussi de réfléchir comment faire des ventes collectives, comment ils peuvent entrer dans le marché et avoir un pouvoir de négociation sur les prix. Ah.
On a 1000 francs là. Ce secteur charbon de bois est encore désorganisé, donc il y a un peu l'illégalité dedans. Avec notre projet énergie durable, nous voulons professionnaliser ce secteur. Nous voulons amener les acteurs ensemble pour les amener dans une approche gagnant-gagnant. Et cela va permettre de quitter de l'illégalité vers la légalité. Nous ne pouvons pas, en tant qu'environnementalistes, croiser les bras. C'est ainsi que nous avons demandé des subventions auprès des IFDC et d'autres bailleurs pour mettre en place les micro-boisements, qui est un des aspects comme alternative à l'exploitation illégale du bois dans le parc. Parce qu'actuellement, 90% de charbon de bois vient du parc. Et vous savez, dans des grandes villes comme Goma, Butembo, il y a menace des arbres du parc. Et ce parc, c'est le premier parc d'Afrique et qui est un site du patrimoine mondial. Donc on doit protéger ce parc. Mais pour créer des alternatives, on doit mettre en place les micro-boisements à l'extérieur du parc. Je vis que l'IFDC est vraiment impliqué dans la sensibilisation qui peut aider juste le parc à se développer facilement. Le charbon de bois est la source d'énergie la plus importante dans la région. Par exemple, ici à Goma, nous avons environ 100 000 ménages et 90% ou 95% de ces ménages consomment le charbon de bois. Il y a des milliers de sacs et ce qui représente des millions de dollars. Alors, c'est vraiment un élément très important dans l'économie de notre province. En 2005, on a mené une étude et la consommation de charbon de bois dans la ville de Goma tournait autour de 41 000 tonnes par an. En 2008, nous avons mené une autre étude et la consommation tournait autour de 51 000 à 59 000 tonnes de bois par an. Il y a aussi une solution intermédiaire que nous sommes en train de mettre en place avec, bien sûr, la collaboration des IFDC. Ce sont les foyers améliorés qui réduisent l'énergie à 50%. Ce qui fait que si les besoins sont estimés à plus de 20 000 hectares et que la population utilise majoritairement les foyers améliorés, on peut tourner autour de 10 000 hectares. Et comme avec l'appui des IFDC, nous allons arriver à plus de 5 500 hectares, on tournerait autour du besoin à la limite. Alors ce qui fait qu'on aura déjà des solutions intermédiaires avec ces foyers améliorés et des solutions à terme avec la coupe de ce bois. Jack!